On est dans le 10e arrondissement de Paris, dans le boulevard de Strasbourg, qui est une rue qui a la particularité d'avoir un grand nombre de salons de beauté, qui sont à la fois des salons de manucure et des salons de coiffure, et qui sont spécialisés en fait dans les extensions, dans les lissages, dans toute une série de soins pour les cheveux, qui sont surtout appropriés, enfin surtout utilisés par des personnes qui sont noires de peau. Et donc c'est une particularité de ce quartier, de cette rue en fait, c'est qu'il y a presque une mono-activité autour de ça. La plupart des boutiques de cette rue sont des salons de beauté, et ce sont des salons de beauté dans lesquels travaillent pas mal de personnes sans papier. En ce moment, on parle souvent des immigrés dans les livres en termes d'inquiétude. Alors il est question de soumission, il est question de crainte d'un grand remplacement. Moi, mon livre, c'est un peu le contraire de cette soumission. C'est, si on devait lui donner un autre titre que Beauté Parade, on pourrait dire Émancipation. Parce que c'est l'histoire de femmes qui sont arrivées en France pour travailler, qui sont parties de chez elles pour des raisons économiques ou pour des raisons de curiosité, parce qu'elles avaient envie de quitter le monde qu'elles connaissaient pour aborder cette France qu'elles ne connaissaient pas bien. Et cette histoire, c'est une histoire d'émancipation d'abord par le travail, parce que ce sont des femmes qui travaillent dans ces salons de coiffure, qui font de la manucure, qui font de la coiffure, et qui ont pour objectif de rendre d'autres femmes, et aussi des hommes, plus beaux et plus belles. Et puis c'est aussi une émancipation, parce que à travers ce travail, elles rencontrent le syndicalisme, et parce que il y a eu une grève donc dans une de ces boutiques, au 50 du boulevard de Strasbourg, parce que le patron était parti avec la caisse, et donc les salariés se sont mis en grève. Et elles sont sorties de la clandestinité où elles étaient plongées à cause de leur statut de sans-papiers. Et elles se sont organisées entre elles, elles se sont mieux connues aussi, entre celles qui étaient originaires de Côte d'Ivoire et celles qui étaient originaires de Chine. Donc c'est ça, cette émancipation, c'est ces femmes qui prennent en main leur destin et qui le prennent en main à la fois parce qu'elles choisissent d'émigrer et aussi parce qu'elles choisissent, une fois qu'elles sont en France, de se battre, de ne pas rester dans le silence dans lequel on voudrait les mettre. Donc ce qui s'oppose à cette soumission, c'est pas l'idée de soumettre d'autres, c'est pas l'idée de s'imposer à d'autres, mais au contraire, c'est l'idée de participer à la société française, de participer à la vie et de participer par le travail. Ce sont des travailleuses, des salariés comme les autres dans mon livre. Je suis venu d'abord dans ce salon de beauté qui était en grève en tant que citoyen, en tant qu'habitant du 10e, tout simplement comme soutien. Parce que ces femmes, elles avaient besoin du soutien des habitants du quartier pour se battre. Et puis, quand je suis arrivé là, j'ai découvert un univers que je connaissais pas, que je côtoyais de loin. Quand on passe sur les trottoirs du boulevard de Strasbourg, on sent des odeurs, les odeurs de lac, on entend des bruits, on voit des mouvements. Mais c'est un peu bizarre quand on est un homme blanc, qu'on a des cheveux raides comme des piquets, c'est un peu bizarre d'entrer dans une boutique comme ça. Et donc moi j'y suis allé d'abord en tant que soutien et j'ai découvert un monde, le monde des cheveux et des ongles. J'ai découvert aussi la vie de ces femmes et les raisons qui les ont faites venir en France et les raisons pour lesquelles elles se battaient. Et je me suis dit qu'il y avait un tel microcosme de la mondialisation, tellement d'histoires qui s'entrechoquaient dans ce petit espace de 50 mètres carrés, cette petite boutique minuscule, qu'il y avait vraiment de quoi en tirer un livre, de quoi en tirer un récit, de quoi en faire de la littérature. Parce que dans une telle boutique, il y a des femmes qui viennent de Chine ou de Côte d'Ivoire, des cheveux qui viennent d'Inde, d'autres femmes qui ont rasé leurs cheveux pour les offrir à des divinités et qui sont vendues par les temples comme un business. Il y a des jeunes clientes qui sont parfois issues de l'immigration, qui viennent parfois de la banlieue parisienne. Il y en a d'autres qui sont des femmes simplement qui viennent se faire les ongles parce que c'est moins cher et qui sont adeptes de la French manucure. Tout ça s'entrechoque avec la mode de la beauté noire, qui est aussi une affirmation de fierté en quelque sorte, avec des stars emblématiques comme Rihanna ou Beyoncé qui sont les héritières de cette affirmation du « Black is beautiful ». Et donc tout ça se retrouve dans ce petit salon de beauté et ça s'entrechoque avec la gentrification du quartier, avec le militantisme et le syndicalisme. Et voilà, ça me paraissait quelque chose d'éminemment littéraire.